Et je vais vous demander de vous installer et donc, sénateur, sénatrice, de prendre place dans ce Sénat. Alors, aujourd'hui, à l'heure du jour, c'est un Sénat un petit peu particulier, mesdames et messieurs, parce que tout simplement, eh bien, nous sommes pris par le temps. Donc, on va faire ça en mode express. Aujourd'hui, c'est très simple. J'ai deux opérations spéciales, ce que nous sommes dopés à vous faire voter. J'ai pas le temps, Aoussanda, j'ai pas le temps pour le cosplay, je suis désolé. J'ai deux opérations spéciales, ce que nous sommes dopés à vous faire voter. On va en faire une tout de suite. Ah, d'abord, attendez, parce que là, je suis en train de m'emballer un petit peu. D'abord, avant chaque Sénat, il y a évidemment la question classique, qui est de faire investir pour faire la scène du Sénat, by the way. Bah écoutez, c'est vous que je fais. Merci beaucoup, Darklight. Donc, évidemment, les sénateurs étant les personnes qui sont sub sur le chat, il va y avoir la question classique de est-ce que la plèbe peut voter? La plèbe étant évidemment les non-sub. Donc, on va aller vous faire voter directement. Attendez 2 secondes, vote. Hop, c'est parti, je vous demande que vous me votiez, donc seulement les subs peuvent voter pour ce vote-là. Si vous n'êtes pas sub, vous pouvez dépenser des coins, ça coûte 10 000 coins pour participer au vote. Quand justement les gens non sub veulent participer, vous pouvez dépenser 10 000 coins. Si vous le souhaitez, pour participer au vote, vous arriverez à droite. Je suis à la salle, je peux voter, je te dirais quoi voter à la place, t'inquiète, pas de problème. En plus, t'es pas sub. Ah oui, mais c'est marketeur lol, c'est Arana. Genre, t'es pas sub, mais c'est sur ton smurf. Et donc voilà, vous le voyez par exemple, Greg Ouz. Quand vous n'êtes pas sub, vous arrivez de la droite. Quand vous êtes sub, vous arrivez de la gauche. Donc bien sûr, vous pouvez, si jamais, non, loin de moi, évidemment, l'idée de comment dire, d'engager, on va dire, ou d'aider, d'influencer à faire une révolte. Mais si les non-subs se mettent un petit peu d'accord, ils peuvent bien sûr prendre le contrôle du Sénat et donc dépenser des coins et se synchroniser pour récupérer le tout. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Je suis désolé parce que normalement, on fait ça le soir et tout. Il y a un peu plus de monde. Là, on n'est vraiment pas beaucoup. C'est pour ça que c'est un petit Sénat express, c'est un petit Sénat un peu entre nous. Donc, on va faire passer les votes assez rapidement. Pourquoi ce Sénat est aussi rapide? Parce que je dois les casse les EMEA juste après et que j'ai une game de TFT et après, il faut que j'y aille grosso modo. Merci beaucoup, Kontik, pour les 5 mois. Certains mettent 10K pour voter 2. Bah, après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Très bien. Donc, classique. Petit Sénat tranquille. Les subs, encore une fois, ne participeront pas à ce vote. On rappelle que pour l'instant, ils n'ont actuellement jamais voté. Ça n'a jamais été aussi proche, tout de même, de passer. Notamment, peut-être dû au fait qu'il y a peu de sénateurs. Très bien. Le vote sera donc terminé. Merci beaucoup, Loxy, pour les 17 mois. Très bien, donc à l'heure du jour au jour, première opération spéciale que je vais vous montrer Où de est le ce pas. Sénat? Opération spéciale faite par StreamElement, qui est donc un nouveau truc qui nous permet d'avoir des super OP. Que vous pouvez voir que je vais vous montrer de ce pas, ça va être bien parce qu'on va pouvoir en parler complètement étant donné qu'il y a même le montant qui est affiché. Habituellement, vous savez, moi j'aime bien parler de l'argent, mais en règle générale, les marques pas trop. Donc, première opération spéciale, HelloFresh. Qu'est-ce que HelloFresh? Je pense que vous connaissez. Si vous ne savez pas, HelloFresh c'est très simple, c'est un truc qui en gros tu peux payer. Donc tu prends un abo et en fait tu choisis des repas et en fait ils te livrent tes repas et que après tu craftes toi-même. Donc l'idée c'est d'avoir de payer un peu pour qu'ils te donnent ta bouffe, ils te donnent tout ce qu'il faut pour craft leur repas, tu craftes ton repas et tu manges. Merci beaucoup Westroled. Donc c'est Spike 2 items, IE Danseur Fantôme, IE Runan plutôt, parce que Danseur Fantôme ça coûte cher maintenant, IE Runan sur l'OP. Spike 2 items, alors on va regarder un petit peu justement qu'est-ce qui est demandé. Alors tout ce qu'on a à faire c'est promettre HelloFresh en stream. Vous voyez pas tout. Je vais juste agrandir un peu. Agrandir un petit peu tout ça. Ok. Donc, on doit le faire dans moins de 10 jours, 12 jours. Donc c'est quoi? Donc c'est on est garanti une IE dans l'item. En gros, on est garanti au moins une IE et après on peut gagner un Runan. C'est-à-dire, moi je vous montre tout, hein, on est honnête. Hein. Alors, je vais être aussi honnête avec vous. Là, c'est très bien payé, ok? Là, c'est très bien payé. Donc, si on l'a fait, on a garanti 3100 dollars. Alors, il faut faire quoi? C'est important. IE garantie et Runan potentiellement en bonus. C'est-à-dire qu'on doit faire deux streams où on promote HelloFresh pendant 4 heures. On doit stream avec du coup l'overlay HelloFresh pendant 4 heures.
On doit avoir HelloFresh dans mon panel. Les panels, c'est quoi? C'est le truc qui est en dessous du stream, que vous pouvez voir. Bam bam. Pendant 14 jours, et on doit avoir une commande dans le chat pendant 4 heures. Alors, c'est la première OP que je ferai avec StreamElement. Je ne sais pas comment ça marche. Donc voilà, mais déjà, vous avez un petit peu une idée. Donc, pour que je rappelle ceux qui connaissent pas le principe de HelloFresh, c'est très simple. C'est. Bah, t'as. Tu payes en fait, tu vas sur le site, tu prends un abo, tu choisis un peu ce que tu veux pour la semaine, ils te livrent la semaine avec les repas, t'as la recette, tu craftes ta recette, tu vois. Pour le coup, c'est très quali. Et donc, on a un minimum une IE, et après, on gagne quoi? On gagne 50$ pour chaque nouveau sub au-dessus du 47e. C'est-à-dire, en fait, si vous vous abonnez avec mon code, j'imagine que j'aurai un code, au bout de 47 subs, je gagne rien. À partir du 48e, je gagne 50$, et on est limité à 2500, 2650. Bon, alors, ça fait quand même peu probable qu'on atteigne quoi que. On atteigne le stacking, ça fait quand même, il nous faut quoi? Il nous faut 147 personnes. Bon, c'est un peu complexe, mais. Mais voilà, et cooking stream bonus. Ah, je peux faire un. Ah, ça, j'ai pas le droit par contre. Stream yourself cooking Hello Fresh Meal and get a bonus. Ça, j'ai pas le droit de le faire parce que Aldi, ils veulent pas. Ils veulent pas que je cuisine. Donc, ça, le cooking stream bonus, on pourra pas le faire malheureusement. Je vous le dis. Parce qu'en fait, on est aussi sponsor par Aldi qui, avec Solary qui donne la nourriture et tout. Donc, c'est pour ça que c'est un peu délicat. Mais ils ont bien accepté, donc voilà. Donc vous avez tous les détails. Je rappelle encore une fois, deux streams de 4 heures où je dois promettre HelloFresh. Un stream de 4 heures où je dois avoir le widget HelloFresh, donc ce sera un overlay sur mon stream. Et ensuite HelloFresh dans le truc pendant 14 jours, dans les panels en bas, et promettre HelloFresh dans le chat pendant 4 heures. Alors, on va donc voter. Hop là, je vais donc vous laisser choisir. Je rappelle qu'il y a 20% du montant qui est envoyé dans le trésor de guerre. Si vous voulez voter non, vous avez le droit de voter non, hein, la team. En fait, c'est le principe du stream, c'est moi, j'essaie de vous dire les trucs en étant très. Genre, j'essaye d'être le plus. Enfin, de moins vous influencer autant que possible. Vraiment, d'être le plus neutre possible. Si vous me posez des questions, j'y réponds. Par exemple, si vous me dites, oh, est-ce que c'est bien payé? Oui, c'est bien payé. Je vais pas faire l'acteur, c'est bien payé, voilà, je vous le dis. C'est pas oméga super méga bien payé, pour que vous ayez un petit peu une idée des prix, mais c'est bien payé. Comme ça vous savez. En fait, de base, on a une IE garantie, donc ça c'est vraiment big. Et après, c'est Runan, je sais pas combien on fera sur les 2650 dollars derrière, tu vois, mais. Mais comme ça vous savez. Wesh, pourquoi je fais des détours, t'inquiète, Scorflex. Ok, très bien! On va laisser ça un petit peu rapidement parce qu'on n'a pas énormément de temps. Donc l'OP HelloFresh est validé. Félicitations. Ok, très bien. Est-ce que tu déclares les gains aux impôts ou c'est au noir? Non, moi je. T'as peur d'utiliser le mot anglais? Moi je déclare rien, frère. On va pas non plus déclarer des trucs. Donc ça a été validé. Ok. Ensuite, il y aura une autre opération spéciale à vous faire voter que je ne vais pas faire tout de suite parce qu'on a un petit peu de temps. Et on va plutôt pour l'instant partir sur les votes faits par la communauté, bien sûr. Merci beaucoup pour les subs. Alors, le premier vote proposé par le sénateur Goinf. Premier vote proposé par le sénateur Goinf. Qui est habituellement, je vous prends en vocal et tout. Là, je suis désolé, on va aller speed. Je suis vraiment navré, on va aller speed pour celui-là. Alors, j'avoue que celui-là, c'est un peu particulier. C'est continuer à mettre des pubs au mois de janvier. Alors, malheureusement, là, on est au mois de février, mais on a déjà vu les pubs, quoi. Donc, ouinf. Je vais quand même te rendre toi. Je vais te rendre tes coins parce que je suis un mec bien. Et on va, de toute façon, celle-là, je l'ai un peu passée en 49-3. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Celle-là, on s'est fait un petit plaisir. Donc, je te rends tes coins et voilà. Et on va passer sur. On me dit que le vote est validé. Bon, on dit que le vote est validé. Alors, ensuite, vote du sénateur LGR Feed. Qui est donc Wax, notre cher empereur, ne joue plus jamais à Felios, pitié. Donc, eh bien, écoutez, je vais vous laisser décider. Est-ce que moi, Felios, c'est définitivement banni?
Ou est-ce que mon Aphelios reste une possibilité, bien sûr? M'en fous des coins, je veux les pubs. T'inquiète pas, les pubs, on les met, parce que sinon on n'a plus d'argent, donc... Voilà, je vous laisse bien sûr décider. Je rappelle que les votes, ce genre de vote, typiquement tout le monde peut les proposer. Et juste si vous n'êtes pas sub, vous ne pouvez pas participer au vote, sauf si vous payez 10 000 coins, encore une fois. Vous pouvez participer à un vote à chaque fois, à chaque 10 000 coins utilisés. Donc c'est... Je préfère quand même préciser. Très bien, on va aller assez vite sur ces votes, on voit que c'est un stomp. On est contre un petit peu la montre là, donc c'est un scénario un peu rapide là. Là où on attend, il y a tout le monde n'est pas rentré encore. Et c'est vite, on fait passer les lois avant que les mecs arrivent. Très bien. C'est donc refusé. Aphelios sera encore joué par moi, bien sûr, étant donné que je suis le meilleur Aphelios d'Europe. Je suis le GOAT incontesté. Très bien. Ensuite, vote un peu particulier, parce que c'est un vote qui fait chier les modos. Donc c'est un vote qu'on va faire un peu bizarre, c'est que Shin... Tu es tout seul, je crois, là, en modo actuellement. C'est toi qui vas décider. C'est très simple. C'est un vote où c'est remettre des paris de points de chaîne sur résultat des games, nombre de morts, CS tué, nombre de fois où Wax dit où, etc. Oui, donc ça à faire. Donc, si tu n'as pas envie, Shin, on refuse. Si tu as envie, on le fait. C'est toi qui décides. C'est comme ça que ça se passe. Non, ok, très bien. Hop, refusé. Pourquoi ? Parce que c'est super chiant. Voilà. C'est super chiant à faire. C'est, voilà, la garde impériale doit s'en occuper. La garde impériale, là, la flemme, ce qui est totalement compréhensible. Donc, eh bien, le vote a été pris en compte, mais le vote a été refusé 49-3 par la police. Même pas 49-3, en vrai de vrai, c'est la police, là. La police a dit non. Ensuite, un nouveau vote du sénateur Nabo qui me dit « Joue Tristana STP ». Ça va être très simple, c'est... Prochaine game... Que je joue. Attends. Tristana, non Osef. Merde, je me suis raté, je crois. Pourquoi ça n'a pas passé? Ah, parce que j'ai mis un 2 points. Il faut au moins. Mais putain de merde! J'ai mis un point, j'ai mis une virgule. Ok, c'est bon. Chut, calmez-vous. Les gens qui ont voté avant, je les ai virés parce que c'était pas le bon vote. Revoter, est-ce que la prochaine solo queue que je joue Tristana ou pas? Nabo donc a proposé, je regarde juste où on en est par rapport à Solari, c'est bon, on a le temps. Il est rapide celui-là, ce scénario. Là, on enquille. On va vite. Ça balance, là. Le vote en question était juste joue Tristana STP, donc voilà, c'est assez vague. Et donc ce sera la prochaine game que je lance, que je jouerai Tristana ou non. J'ai quand même fait une petite game Tristana au mid il y a pas longtemps, où je me suis fait arracher le cul. Donc... 10 000 euros de salaire pour les modos, ils ne veulent même pas faire des prédits. Ils font les bêtes. Déjà, ils sont très gentils. La modération est très gentille. Déjà, elle modère le chat gratuitement. Elle me fait les bêtes et tout. Elle vous supporte, hein, ce qui n'est pas toujours facile. Je ne vais pas non plus abuser. Hein. Merci beaucoup, Big Bugs, pour le sub. Bienvenue. Prends place. Très bien. Donc, on jouera Tristana, prochaine game de solo queue. Validé. On va vite. Hein. Alors... Maintenant, nouveau, gratuitement, sérieux, ouais, gratuitement. La modération est gentille, y'a rien à nous quand même. T'en profites pour gagner pour la Scarflex. Ensuite, vote proposé par le sénateur et soldat d'ailleurs, parce que sont abonnés depuis un petit moment, Milo2706, qui propose que lors du rush de nouvelle saison, petit défi qui sera d'être le premier à Decay Changer en plus de game que Narcus et Tio lors de ce rush. Ok. Je vais vous faire voter. Je vais vous faire donc voter. C'est vous qui choisissez. Oh, c'est long sa mère, frère. Je copie-colle. Hein. J'ai copié-collé, comme ça, ça va vite. Merci Reinich pour les 1 an. Bon début de saison. Ce sera donc prochain split qui arrivera. Quand je dis ça, c'est au début de saison. Rush de début de saison. Est-ce qu'on a envie d'être le premier ADK? On essaiera d'être le premier ADK Ranger avec plus de games que Narcus et Tio lors de ce rush? Ou est-ce qu'on fait ça normal, classique, comme on fait d'habitude, c'est-à-dire on joue plus, mais on joue un peu tranquille? Ou est-ce qu'on fait un rush et on fait un rush? C'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. Évidemment, je ne veux pas vous influencer. J'ai bien sûr aussi, moi, le droit de voter. Hein. Vous pouvez me voir arriver avec votre cheval. D'ailleurs, si vous n'êtes pas du tout au courant du fonctionnement du Sénat, au cas où il y a des nouvelles personnes sur le stream, vous voyez qu'il y a plusieurs skins différents. Pourquoi? En fait, en fonction de votre mois de sub. Et de votre tier de sub, votre skin change.
C'est pour ça que quand vous êtes un non-sub, vous êtes à poil, parce que bah, vous êtes un clochard, et que du coup, bah, plus vous avancez, plus vous êtes stylé, et donc l'idée, c'est d'avoir un petit peu un métier, tu vois. Là, je trouve ça très stylé, je crois que c'est les marchands en bleu avec les robes. Je trouve ça du flow, il y a les soldats et tout aussi, il y a les nouveaux skins un peu. Les nouveaux skins sont plutôt cool. J'aime bien, parce qu'il y a plein de FPS. Oh, c'est serré. Smurfy, tu viens voter où, là? Et pensez des connes pour voter, j'espère que t'as voté deux, hein. Il a voté un salopard. J'attends un peu parce que là c'est extrêmement serré. Je vais clore les votes dans 3, 2, 1. Vote clos. Le dernier votant arrive. Sébastopol a été le dernier. On va voir 37-37. Il y a 5 personnes qui y vont. 2. Ok. 39-39. Non! Sébastopol, dis-moi que t'as voté 2. Dis-moi que t'as voté 2. Il a voté 1, le salopard. Qui attend? Qui a quelqu'un qui a fait un vote en disant 2? Putain. Bon bah on essaiera du coup prochain rush de get rang premier à des Kite Changer avec plus de game que Narcus et Tio. On essaiera, je sais pas si je vais réussir, hein, je vous le dis. On va faire de notre mieux. Merci beaucoup. Oh, Black Label, le sub tier 3, merci énormément. Ok, alors le prochain vote proposé par le sénateur et soldat Wailing, il va jamais le faire. Je vais essayer, premier degré, hein. Je vais essayer, mais je sais pas si je vais y arriver. Sénateur, donc vote proposé par le sénateur Wailing. Alors j'ai aucune idée du prix, mais c'est un vrai nom de domaine pour le site internet de Rianou payé par le fonds commun. Actuellement, dans le trésor de guerre, Nous avons 136,70 euros, sachant qu'on a été payé il y a pas longtemps. On a été payé il y a pas longtemps par Allscan. Donc il y a un peu plus que j'ai pas rajouté. J'étais payé il y a genre une semaine. Mais vous avez un petit peu idée, donc il doit rester. Ça doit rajouter 400 balles. Donc il doit y avoir genre 550 euros, un truc comme ça. Je sais pas combien ça coûte, le prix d'un nom de domaine. Donc c'est vous qui choisissez, la team. Attends, merde, j'ai raté mes voice chess. Attends, il y a deux secondes. Attends, j'ai raté. What? Excusez-moi. Mais attends, ça bug. Ah, parce que ok, c'est mon GG. Ok, attends, il y a deux secondes. Attendez, deux secondes. J'ai trollé. Laissez-moi une seconde. J'ai trollé. Ok, c'est bon. Excusez-moi. C'est bon, vous pouvez voter. Alors c'est quoi le site en question si vous ne connaissez pas? C'est un site, c'est un blog de cuisine qui est donc, j'espère que ça sera bon, qui est actuellement sur WordPress. Et qui du coup bah notamment elle met plein de recettes sur le Discord, si vous n'êtes pas au courant, voilà, si vous n'êtes pas sur le Discord, ou plein de recettes. Et donc elle fait des recettes assez régulièrement. Je sais pas combien ça coûte, hein. Donc voilà, le thème du site, pour ceux qui connaissent pas, effectivement, c'est un blog de bouffe. Si vous y êtes pas, bah n'hésitez pas, enfin si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. Donc j'espère que ce sera bon pour wordpress.com. Je sais pas si vous voulez vous faire une petite idée. Je vous l'envoie dans le chat, c'est envoyé par Galop, mais il s'est fait Théo, je vous l'envoie dans le chat si vous voulez regarder. LWS, hébergeur français, 2 ans plus son domaine, environ 130 euros. Ok. Apparemment. Info chat potentiel, mais apparemment 130 balles. 50 euros par an, nom de domaine plus hébergement. Très bien. Ok, c'est le vote d'après, mais vraiment très très bien. Ok, ce sera donc accepté. Je vois qu'on essaie de soudoyer la garde impériale ici. Ce sera donc accepté, Rano qui malheureusement n'est pas présente actuellement. Mais ce sera accepté. Très bien. Prochain vote proposé par le sénateur et VIP, donc ami de la cité, qui propose de supprimer la playlist actuelle et de mettre en stream la playlist perso appelée 1-2-3 Soleil. Alors, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. 1-2-3 Soleil. Alors, regardons la playlist. Dans la playlist 1-2-3 Soleil, il y a 266 titres. Je vous mets de la musique un peu d'1-2-3 Soleil. Alors, je peux pas l'avoir sur... Je peux l'avoir sur Internet ou pas?
Attends. Attendez, attendez, attendez. Je vous la montre, je vous la montre. Je vous montre la playlist. C'est ça. C'est sa playlist. Je vous la passe vite fait. Merde, c'était bien. Je vous mets la playlist. Désolé, ça va assez vite, mais on n'en a pas pour 15 ans non plus. C'est sa playlist. Ça va trop lentement là. Ça va plus vite, ça accélère. Regardez les titres, c'est illisible. Vous pouvez la voir, je vous l'envoie vous-même si vous voulez la vérifier. Hop, 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 on va jusqu'au bout. Bam, 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 bam. Voilà. Est-ce qu'on supprime la piste actuelle et on utilise cette playlist pour le stream? Je vais vous faire voter. C'est parti! Non, c'est bon, la musique là. Je remets la petite ambiance Senna. On est où pour Solari? Ok, je vais vous faire bientôt voter la deuxième OP, je pense. C'était validé. La piste actuelle est trop courte, non? On boucle sur les mêmes trucs. Actuellement, ma playlist. Ah, la playlist en question a 266 musiques, ma playlist en a 339. 334, pardon. Il y a peut-être deux trucs qui ont été votés. Ok, c'est un non, c'est un stomp, c'est un non. C'est un ratio. Très bien, merci. Vote donc refusé. Mettez-le dehors au passage. Très bien. Vote refusé. Proposition par le sénateur et garde impérial Arknor. Personne éminente, évidemment, de la cité qui est donc. Je propose de. Qui propose un vote très simple. Hop. On peut bien sûr voter Arknor qui n'est pas présent, je crois, je n'ai pas eu dans le chat, mais donc qui propose de Pipo Finger Arknor. Bien sûr, on fait tous les votes, qu'ils soient bons, utiles ou non. Et on est efficace là. Là, ça balance, là, ça envoie. On se fait encore un petit vote après celui-là. Et après, je vous parle de la deuxième OP. Et il faudra pas trop que je traîne. On a encore un petit peu de temps, mais pas grand-chose. Voilà, faites-vous plaisir. Je surveille tous les gens qui votent non, je les banne. Voilà, le classique. Merci Molfeng, bien sûr, pour ce contenu qu'on apprécie. Voilà, tout le monde va à gauche, j'aime bien, j'aime bien. Hop, 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 hop! Qui va à droite, là? Oui, très bien. Le vote est terminé, voilà, on s'est fait un peu plaisir. Restons sur les choses sérieuses, pardon. Ensuite, vote proposé par le plébien Guy Lestri. Donc, qui n'est pas seul, mais qui propose de faire un King of the Castle tous les mois. Je rappelle ce que c'est qu'un King of the Castle. J'en ai déjà fait quelques-uns. C'est un petit jeu où vous pouvez jouer avec moi, où chacun a le choix de. Chacun. Putain, mais j'oublie tous les trucs à chaque fois. Chacun a le choix d'une faction. On en a fait deux actuellement. Trois peut-être. Je crois qu'on en a fait trois. Je crois que pour le moment, en un an, j'en ai fait trois. Ils vont en faire un tous les mois. Donc à vous de choisir. Dites-vous que de base, moi, j'ai l'intention d'en refaire un petit peu de temps en temps, mais je sais pas quand. Donc là, c'est est-ce que je me force une fois par mois, on le fait? Ou est-ce que non, aux F, et on verra. C'est vous que je sais. Hein. Très bien faire ça une fois par mois ou pas. Chine. J'aurais pas le temps de voter ça aujourd'hui, Chine. Les votes d'aujourd'hui, j'aurai pas le temps, je pense. S'il le fait pas aujourd'hui, je me rends les cailles. Ouais, j'aurai pas le temps, je pense, j'aurai pas le temps. On va voir, mais. Donc King of the Castle, si vous connaissez pas, vous pouvez aller check sur Google vite fait, mais. Putain, faut que je vous montre, mais en fait. Ça va vous parler, je pense. Je crois que j'en avais fait un peu. Bon, j'ai trouvé un let's play de Domingo. Ça ressemble à ça, si ça vous parle un peu. Hop, c'est ce petit jeu-là, quoi.
Alors bon, ça vous parle un petit peu où il y a des gens du chat, vous pouvez, le chat peut jouer, il y a des dialogues, il y a trois factions, le but de chaque faction c'est de gagner, moi je suis le roi, je dois gagner aussi, Domingo a perdu, non? 84 000 vues quand même. Voilà. J'attends un tout petit peu, vu que je vous ai monté le truc, mais je crois que tout le monde a plus ou moins voté déjà. Ce sera donc un oui. C'est quand le dernier que j'ai fait? C'était ce mois-ci ou pas? Donc on s'encadrera un par mois. Et je sais pas pendant combien de temps. On verra. Mais pour l'instant, on s'encadrera un par mois. Je sais pas c'est quand j'ai fait le dernier. C'était ce mois-ci ou pas? On verra. Très bien, vote accepté. Et maintenant, on part sur la deuxième opération spéciale. Alors, deuxième opération spéciale, c'est que nous sommes le nom d'OP. Je peux pas vous donner le montant. Je peux pas vous donner le montant, mais je peux vous dire ce qu'il y a à faire. Alors, c'est une OP sur un jeu. Une OP qu'on ne fera pas tout seul si elle est votée. Vous pouvez, encore une fois, bien sûr, dire non. Hop. Vous pouvez bien sûr dire non. Qu'est-ce que c'est comme jeu? Bah écoutez, je vais vous faire regarder le trailer et vous expliquer en même temps que le trailer passe qu'est-ce que je dois faire pour cette opération. Donc ce sera sur ce jeu-là, Battle Crush. Ce sera avec Sakor et Narcus, si c'est voté. Eux, ils ont déjà accepté. Et donc, l'idée c'est de faire un stream de au moins 2 heures sur le jeu. Un stream de au moins 2 heures où je présente un petit peu le jeu avec un lien dans le chat, un truc dans le panel en bas et un QR code visible dans le stream et jouer en coop en gros. Donc je serai avec Narcus Sakor si on le fait. Et voilà à quoi ressemble le jeu. J'ai jamais joué au jeu pour l'instant, donc je ne sais pas. Pour le prix, je peux pas vous dire combien c'est. C'est bien payé. Voilà. Bien payé. Ça me fait un petit peu penser à Battle Rite un peu. Ça va être un petit peu le même style de jeu de Battle Rite. J'ai l'impression que tu drop, tu lootes un peu des items, t'as ton perso. Bon, Diana comme par hasard. Plus ou moins que HelloFresh in. Si je peux pas répondre, normalement ça te... Normalement du coup tu sais, enfin après peut-être pas, mais... Voilà. Je peux plus donner des items, ça a été grillé. Bon, c'est... En fait, donner des items, c'est comme si tu parles du montant de l'OP. Comme si tu parles du montant de l'OP, donner des items. Donc voilà, vous voyez à peu près à quoi ressemble le jeu. Faut pas non plus taper toute la vidéo, mais... Oh, t'as, ok, donc t'as un système où la map dépop aussi, petit à petit. Plus la map est petite, plus la map dépop. Donc voilà, l'OP serait faite assez rapidement, si vous votez oui, bien sûr. Et donc, votre choice, c'est donc Battle Crush OP. Non. C'est avec, je rappelle vite fait le plan, donc c'est avec Narcus et Sakor. Et ce sera un stream de 2 heures. Donc un stream de 2 heures seulement. C'est un item ou plutôt deux? Non, c'est un item. Non, c'est pas deux items. En fait, en règle générale, quand c'est des streams comme ça de genre 2 heures... C'est rare que ce soit plus qu'un item. Enfin, pour moi en tout cas. Après, ça dépend quel streamer t'es. Hein. Il y a des streamers où, voilà, quand ils font 2 heures, c'est un full stuff. Nous, j'avoue qu'on n'est pas sur des full stuff. Vous êtes à 100% de oui. Ok. Ça a décalé combien d'items à peu près full build, core build. Non, disons que je pense que c'est un peu comme si je jouais Smolder et que j'avais acheté sans river quoi. En fait, là, en gros. C'est soit plus ou moins, en fait, soit on fait l'OP pendant 2 heures, soit sinon je fais une game, une petite game de Smolder à la place et j'achète Essence River. Voilà. Ok. Ce sera donc validé. Merci beaucoup. Ça va être rigolo en plus, je pense. Ça va être très rigolo. Hop, le vote est donc pris. L'OP sera effectué, je pense, assez rapidement. Je vais prévenir Drijo de ce pas. C'est bon pour l'OP. Parce que je crois qu'il y a moi-même qui veulent faire ça potentiellement ce week-end. Très bien. Il nous reste combien de temps? Volta est toujours debout. Dès que Volta meurt, je pense que je vais devoir y aller. Pff, merde, pardon, je regardais ça. Non mais le prochain vote...
Wax the stream torse nu ou t-shirt simili cuir moulant au moins une fois par mois. Je ne peux pas faire voter ça. Non mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Arrêtez le chat. Arrêtez le chat, démocratie. Je ne peux pas, déjà je ne peux pas stream torse nu, on n'a pas le droit je crois sur Twitch. T-shirt simili cuir moulant. Attendez deux secondes, je vais regarder vite fait. Non mais c'est ça genre. T-shirt simili cuir moulant, c'est ça. Je ne vais pas, j'ai peur de ce que je vais pas stream avec ça. Vous voyez pas trop, il y a ma cam, pardon. Je vais pas stream avec ça quand même. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, j'accepte de vous le faire voter pour un stream. Enfin, ouais, un stream. Un seul stream ou... J'accepte un stream. J'enlève le par mois à la fin. Attendez deux secondes. Et qu'est-ce que vous me faites faire, frère? Ça fait pire. En vrai, quand c'est un truc moulant comme ça, entre guillemets, ça, enfin, ça va, on voit rien, tu vois, mais... Ah, désolé, Toran, j'ai pas le temps, en fait. Le Sénat est en extra express, du coup, j'ai vraiment pas le temps. J'ai vraiment pas eu le temps de mettre le cosplay, malheureusement. Parce que là, c'est vraiment Sénat Omega Express. Ouais, qu'est-ce que vous me faites faire? Ah putain, j'ai pas vu le vote start. Excusez-moi. J'attends depuis tout à l'heure, j'avais pas lancé les votes. Là. Trop perturbé. Hein. Ouais, enfin c'est... Enfin... Je n'ai pas les mots, frère. La démocratie est attaquée. Non mais c'est... Je n'ai pas les mots, je n'ai pas les mots. Moi je vais voter aussi, hein. On s'est été proposé par le sénateur et forgeron de la cité Sror. Ah! On a le temps de faire le prochain vote. Je pense qu'il nous reste deux votes. Très bien, ça aurait été accepté. Ça aurait été accepté. Prochain vote, on va rester là directement. C'est un vote proposé par le plébien Flemme ARD. Je vous copie-colle son message que vous allez voir de ce pas. C'est on perd un ban les copypasta, on a plus 5 ans les gars, point. Voilà, à vous de voir, est-ce que vous votez oui et du coup plus de copypasta ou est-ce que c'est non? Et spoiler, encore des copypasta. À vous bien sûr, Golper ma ban lui. À vous bien sûr de choisir. Volta à 2 HP sur TFT. Dès qu'il meurt, malheureusement, je vais devoir des pop hein, la team. On a presque tout fait, hein. Il nous en reste deux et après ce sera en vrai, je vais quand même essayer de terminer. On va essayer de se faire les deux derniers, on pourra pas faire le... Comment dire, on pourra pas faire le tribunal aujourd'hui mais je le ferai semaine pro. On fait les deux derniers votes et les votes d'aujourd'hui j'aurai pas le temps de le faire malheureusement. Ça je pense qu'on est pas là. Ok très bien, c'est un non. On perd ma balle les codes du pasta, on a plus ça quoi les gars. C'est un non, il ira bien se faire foutre. Il ira bien se faire foutre. Je ne donnerai pas le nom bien sûr, je l'ai donné tout à l'heure, j'ai déjà oublié. Alors, vote proposé par le clodo, encore une fois, Radioactive. On va rester sur cette scène, on accélère, désolé. Qui propose donc de faire des efforts dans l'environnement de streaming. Je cite, on n'en peut plus des draps Union Jack, parlant bien sûr des draps qui sont juste derniers mois. Alors, c'est très vague. C'est très vague, mais j'en ai dit qu'il veut qu'on change les draps à minima. Et qu'on décore des trucs. Alors c'est extrêmement vague. Faire des efforts, ça va un peu tout et rien dire. Mais voilà, je n'ai pas de trucs en plus. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais voilà, ça se rappelle que Castor avait bien sûr milité pour. Je vote 2 pour la critique sur les draps. Donc bien sûr, ce serait changement des draps et bah je sais pas trop faire. En fait, faire des efforts de décoration, c'est. Ça veut tout et rien dire, donc je sais pas trop ce que je pourrais faire, mais j'essaierai de faire un peu des trucs. Voilà. Des draps lol par pitié, monsieur. Mais tu sais que quand on a des invités, il y a des gens qui dorment dans ce lit, en fait. Je vais pas faire dormir les gens que j'invite chez moi dans des draps League of Legends.
Qu'est-ce que c'est que ces conneries? L'idée est bien, mais la critique sur les draps, je comprends pas. Ah, écoute. Merci beaucoup, Catalio, pour les 13 mois. Très bien. Le vote sera donc accepté. Achète des statues LOL. J'en ai un peu des trucs. Mais en fait, le problème, c'est qu'on voit rien, c'est tout petit. Derrière. Ensuite, dernier vote de la journée. Et après, je devrais malheureusement vous laisser désolé pour les votes qui ont été lancés aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de les faire. Parce que je dois aller cast les EMEA. On n'aura jamais vu un scénar aussi rapide. Nouveau et dernier vote de la journée par le sénateur Maxima qui propose de monter le plus haut possible en top only pour montrer que les top laners sont pas trop nuls, pas que du Maokai. Donc un arc top only sur la chaîne. Hop, merde. Ou bien sûr, si je joue que top, je ne jouerai évidemment pas que Maokai, je jouerai des picks qui est un peu plus beau jeu. Là, actuellement, je suis entre guillemets en Chal Duty, mais bien sûr, je pourrais monter un compte en top only. J'ai un compte d'ailleurs qui est déjà master, donc on pourra potentiellement jouer en master dessus, ou sinon, non, comme vous voulez. Sous quelle forme pendant deux semaines tu fais que ça? Ouais, je pense, un truc un peu temporaire, comme j'avais fait quand j'avais joué mid. Genre, je fais ça pendant une, deux semaines, tu vois. Moi, je vois ça comme ça, genre pendant 10-15 jours, je joue que top. Et après, on repart à des carrières. Parce que ça me pète les couilles, en fait. Jusqu'à ce que ça me pète les couilles. Et je commencerai probablement sur mon compte que j'ai commencé à monter, donc qui est mon Smurf. Ou alors je montrerai un autre compte. Je sais pas trop. Smolder Top. T'en penses quoi? Moi, je m'en fous. Voilà. Faut mentir, enfin je m'en fous en mode ça me va, c'est un peu whatever. Le seul truc, c'est qu'il y a l'Open Tour qui a commencé bientôt. Donc j'avoue, tant que je fais l'Open Tour, je joue pas top, je pense, par contre. Mais dès que je fais l'Open Tour, je jouerai top. Vous captez, enfin dès que je fais plus Open Tour, je jouerai top. Vous captez ou pas? Je précise que ce soit clair quand même. J'ai pas l'impression que je vous douille. Je privilégie l'Open Tour. C'est-à-dire que si on a l'Open Tour, je vais pas me mettre à jouer deux semaines à full top. Alors que je dois traîner pour la bot lane. Mais quand ce sera hors compétition, je jouerai top lane. Voilà. Peut-être même avant, je sais plus comment commence l'Open Tour exactement. Mais très bien. Vote accepté. Ça aurait été donc validé. Eh bien écoutez la team. Ça aurait été un scénar, ma foi, très efficace, rapide, efficace, bien comme on les aime. C'est parfait, parce qu'en plus, TFT est en train de se terminer. Désolé pour ce scénar express. Désolé pour ce scénar express, j'ai pas le temps de faire les autres votes. Je dois foncer au...